Hello tout le monde, moi c'est Charlène, j'ai 28 ans et je travaille sur les réseaux, je suis créatrice de contenu. Mon plat préféré, je dirais un plat de pâtes, tout simplement, les pâtes italiennes. Ma série préférée, c'est un peu une série d'enfance, un peu ado, girly, les frères Scott, mais je suis trop obligée, voilà. C'est une vieille série, mais les frères Scott. N'oublie jamais, voilà, histoire d'amour, c'est beau, c'est romantique. Me téléporter, voilà, aussi rapidement, je sais pas, si je claque des doigts, je suis à cet endroit-là, voir les proches, la famille, ma grand-mère, et puis pourquoi pas aller au soleil comme ça, 1, 2, 3, ça marche pas. Oh, le jogging, voilà, le côté à l'aise, jogging. Sac à main, je pense. J'ai eu la chance de pouvoir en rencontrer ou en croiser plusieurs. Après, marquante, voilà, c'est pas spécialement. Enfin, pour moi, marquante, c'est quelqu'un que tout le monde peut connaître. Johnny, je ne l'ai pas rencontré. Mais non, j'en ai pas spécialement. DiCaprio. Ouais, je pense Leonardo DiCaprio. Alors, je ne suis pas la plus bonne des danseuses, hein. Mon conjoint non plus. D'ailleurs, j'ai des cours à prendre, on a bientôt le mariage. Mais, je sais pas, c'est quoi ça comme danse? Le latino sur un cha-cha, je sais pas. Franchement, danse un peu contemporaine peut-être. Ah oui, non, une danse un peu style sur du Sia, la chanteuse. Vous voyez le clip où elle se balance un peu partout, je trouve ça top, parce que j'ai l'impression qu'on exprime quelque chose. Ça serait sur du Coldplay, enfin c'est le groupe Coldplay, voilà, j'ai plein de musiques d'eux qui me viennent, mais je pourrais pas en choisir qu'une. Mais c'est un groupe Coldplay, voilà, en tout cas. Je l'ai sur ma table de chevet, c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, voilà, c'est ça. Un artiste, j'ai jamais été vraiment fanatique de quelqu'un. Bon, à l'époque, Star Academy, je dirais pas parce que ça date, hein, mais non, je dirais, ouais, pareil, groupe Coldplay. Je suis pas une fan ou quelque chose, j'ai pas un artiste préféré, voilà. Alors, une expérience qui m'a marquée, je l'ai eu en cadeau pour mes 20 ans avec ma meilleure amie. On a sauté en parachute toutes les deux, donc ça, c'était oufissime. Mais aujourd'hui, à 28 ans, je ne sais pas si je le referai, j'ai beaucoup le vertige. Le sport, voilà, je suis une accro du sport et j'aime trop ça. Je suis obligée d'en faire pour me vider la tête et même si j'en fais que 30 minutes, ça me fait du bien. Oui, la télé est allumée, oui, je peux la regarder, mais je ne suis pas au rendez-vous à une émission en particulier. Alors, j'ai bien regardé la Coupe du Monde là, cette année, quand la France a joué. Et je sais pas, il y a Mbappé qui m'a émue. Et je l'ai follow sur Insta du coup. Et je ne sais pas pourquoi, parce que voilà. Mais ouais, Kylian Mbappé. Je dirais, bon, c'est une vidéo, c'est la demande en mariage de Benoît avec mon fils Tiam. C'était à Zanzibar, c'était juste magnifique. Pas de beau. Donc la demande en mariage. Depuis que je suis maman, c'est vraiment tout ce qui touche aux enfants, la maltraitance, enfin voilà, c'est... Pour moi, c'est devenu, même si voilà, ça l'était avant, mais quand on devient maman, c'est encore plus en fait. Je pense que depuis, il a changé, c'est même sûr. J'avais Kenji, puisque on avait passé des vacances ensemble sans le vouloir avec sa chérie et mon conjoint, et du coup j'avais Kenji, sa chérie, et voilà. À une destination de rêve que j'aimerais faire, Bora Bora, je pense. Ah oui, je m'imagine bien là, sous les cocotiers, les petites noix de coco, ça fait rêver. Je lui dirais d'avoir confiance en elle, croire en ses rêves, de foncer, de pas douter, et que même si on tombe, c'est pas grave, parce qu'on se relève toujours et que les rêves se réalisent. Déjà, je dirais la confiance en soi. Moi-même, je travaille toujours pour ça, mais voilà, c'est très important. Se trouver jolie, essayer de prendre du temps pour soi, c'est important. Et voilà, avoir confiance surtout.